everybody, and welcome for the new unboxing video. Okay, the sweet sparkle number 2. Oui, je me suis remis dans la peau de Stacy parce que nous allons ouvrir la sweet sparkle box. Vous savez, c'est la box où il y a que des produits made in USA inside. Et voilà, hein, ceci est mon accoutrement officiel de la sweet sparkle box. It's like that, you know. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé. Donc voilà, si vous trouvez que je suis enflée et tout, je vous montre un petit peu. C'est parce que j'ai un habitant dans cette région, hein. Voilà, qui commence à prendre de plus en plus de place. Voilà, je suis hyper contente de rouvrir la Sweet Sparkle Box, qui est la box Nuance d'automne. 50 Shades of Fall. J'avais été hyper satisfaite de la dernière box que j'ai ouverte. Si vous voulez voir la vidéo, franchement, il y avait des super produits, des full size. L'éthique était vraiment pas mal sur certains produits et j'ai trouvé que la sélection était super bonne. Du coup, comme j'adore l'automne, j'attends beaucoup de celle-ci. Voilà. J'ai une coupe dégueulasse. En fait, en ce moment, comme je suis assignée à résidence sur mon canapé, je me coiffe pas. En plus, franchement, mon blond platin me manque à fond. Là, je suis dans l'entre-deux, tu vois, entre-deux longueurs. Du coup, ça me gonfle. J'ai tout le temps mon foulard, enfin, très souvent mon foulard dans les cheveux. Du coup, là, de me voir dans le retour, là. Ah. Mes cheveux m'agacent. C'est une horreur. Bref, allez, on ouvre cette box, c'est parti, let's go. Salut ma belle, avec le petit fanion Sweet Sparkle avec un petit texte qui dit que t'es la bienvenue en gros. Et nous allons ouvrir tout de suite le package 1. J'ai reçu un texto, tous les coups c'est ma mère. C'est ma mère. Truc. Hey, Miss Adoro Blending Sponge. Donc, c'est un petit duplicata du Beauty Blender. J'ose imaginer. Alors, j'espère juste que c'est pas la qualité du Beauty Blender, enfin, du faux Beauty Blender de Primark. Parce que, oh my god, c'était une vraie daubasse. Franchement, si vous voulez l'acheter, ne l'achetez pas, il est trop nul. Là, il m'a l'air dur. On dirait une fesse. Il m'a l'air dur, enfin après on verra. Je vais tester et je vous dirai ce qu'il en est. Je vous le dirai en barre d'infos. Parce que des fois c'est chiant d'attendre, on a envie de savoir tout de suite ce que ça vaut. Je vous le dirai en barre d'infos. Deuxième article, oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un mascara de la marque Milani en teinte noire Instant Volume Mascara. Alors, je ne vais pas l'ouvrir de suite. J'ai un peu la blinde de mascara. Du coup, voilà, quoi. Tu vois, j'ai pas envie qu'il sèche pour rien. Mais c'est un mascara volume. Donc, encore une fois, le jour où je le mettrai, je vous le montrerai en vidéo et je vous dirai ce qu'il en est. Mais cool. Donc, nous avons un duo d'highlighter Nikak New York. Ça highlight pas du tout, hein. Ça poudre à la limite, mais ça highlight pas, hein. C'est pas brillant du tout. Donc c'est présenté comme tel, hein, highlight duo, mais après je pense que oui, ça peut faire des petites poudres de lumière à mettre sous le sourcil, voilà, pour faire un petit peu du contouring, pour éclairer certaines trucs, mais c'est pas pour faire du strobing, ça apporte pas de la lumière. Donc voilà, mais voilà. Hein. Vous m'avez compris. Wet and Wild Color Recon, nouvelle formule, Apricot in the Middle. C'est cruelty free, il y a le petit truc là. Donc à mon avis, c'est un blush. Oui, voilà, un blush. Ça rajoute, c'était marqué derrière. Couleur abricot, ben, c'est très bien parce que moi, les blushs, comme vous l'aviez vu dans ma palette Smashbox que j'adore, je suis plus dans les teintes orangées et tout pour les blushs. Enfin, je préfère.
Après, c'est vraiment des questions de carnation, des questions de goût, tout simplement. Non, parce que, en fait, je t'explique, tu vois. Ils mettent des pointillés, mais c'est sous le truc en plastique. Alors, tu peux pas enlever, tu vois ce que je veux dire? Pointillés, il faut les mettre là où il y a les rues qui passent. Je vais me défoncer le doigt. Non, mais j'arrive pas à l'ouvrir! Donc, une fois que la machine est ouverte, petit pinceau, hein, dont personne ne se sert. Donc, les gars, vous pourriez faire des économies sur les packagings. Hein. Personne ne se sert de ces pinceaux. Bon, bref. Voilà. Petit blush, j'adore la couleur. Elle est trop belle. Alors là, j'ai parlé comme chouchou. J'adore les sushis. Ah ouais, j'aime trop. Il est hyper discret. Mais ça apporte, tu vois, le petit côté. On dirait qu'il est un petit peu irisé, celui-là. Ouais. Il est un petit peu irisé. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a que des full size hein, pour l'instant. C'est une box qui est à 24,50 €. On met tout en barre d'infos. Ce n'est pas fini. Non, 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 on continue. Waouh! Eh, mais il y a beaucoup de palettes dans cette box, j'ai l'impression. Alors, si vous êtes fan des palettes, du maquillage en full size et tout, franchement, je vous conseille cette box qui vaut, mais grave le coup, quoi. Donc, une palette de fard. Smoky Nude. Eh, franchement. Waouh, celle-là, elle est belle. Celle-là. Ça a l'air hyper pigmenté en plus. C'est hyper pigmenté. Hyper lumineux. Non, mais franchement, elle est magnifique. Oh, elle est trop belle, cette palette. Vous avez vu comme c'est lumineux? It is pigmentous. Vous avez vu comme c'est lumineux? Et comme c'est pigmenté? Waouh. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Fabulous. Fabu Liner, Liquid Liner. Et franchement, non mais sérieusement, ils se foutent vraiment pas de notre figure dans cette box, je trouve. C'est énorme. Un eyeliner en pinceau, moi, en feutre, c'est comme je les adore. Je préfère les liners comme ça. Voilà. Hyper noir. De la marque Jordana Cosmetics. Un rouge à lèvres matte lipstick de la marque Rude. Voilà. Et est-ce que la teinte va me plaire? Vu la petite pastille, je pense que oui. Swank. C'est un nude qui est mat. J'adore. Waouh! Ah ouais, j'adore. Donc, ça se présente comme ça. Le raisin est un petit peu biseauté, tu vois ce que je veux dire? Et là, je vais enlever mon rouge à lèvres et mettre celui-ci. Mais je pense qu'ils sont vraiment similaires. Celui-là, il faut que je vous en parle. C'est une tuerie interci. Des Ralus. J'adore. Ah là là, comme il est beau. Qu'est-ce qu'on fait comme geste quand on met un rouge à lèvres hyper pigmenté à chaque fois? Hop, hop. Tu vois, et ça, c'est ce que tu n'auras pas sur les dents. Toujours. L'adore. Love that. Bon voilà, on a ouvert la Sweet Sparkle Box et franchement, j'adore cette box. 24,50 €, je vous mets tout en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est que des trucs qui viennent des États-Unis. Un rouge à lèvres, une palette, un blush, un duo d'highlighter, un mascara et un eyeliner et un beauty blender. Cette box est ouf les gars, vraiment. Moi, franchement, cette box, je la valide à 100%. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Oui, des.